qui se touchent. Ouais, ouais, mais. Petite musique un petit peu cool. Hein. Oui, les violons qui font pas. Il y avait des musiques cool dans Hector. Voilà, Hector, le problème c'était pas les musiques. Hector, c'était. Le problème c'était l'intérêt. C'était quoi faire. Pourquoi résume, on résume. Allez. Ça m'agresse quand même le cul. Parce que les musiques m'agressent le cul. La petite pilule de Doliprane qui tourne là de Dafalgan. Alors on s'était débloqué grâce à un tuto, grâce à un let's play. On était aux zones des cellules là. Et, bah, je sais plus. Je sais plus où on en était. Mais il y avait des cellules. Alors est-ce que j'ai du matos? C'est ça. J'ai ceci que je peux manger. Alors normalement c'est bon. J'aime bien la médicament. Mais je recommence pas du début là quand même. Trop de musique passée. Voilà, attends, hop. Est-ce que je me recule? On augmente. Voilà, comme ça. Ça devrait aller normalement, je pense. Et oui, mais. Ah non, mais attends, je voulais. Ah, j'ai. C'est bon. C'est bloqué. J'ai bien fait résumé parce que dans une mauvaise partie il y a une intro parce qu'on commence on est à moitié prisonnier aussi donc. Alors c'est un jeu pour ceux qui ne savent pas avec des zones qui se déplacent aléatoirement pendant que vous jouez, c'est-à-dire que les pièces changent d'emplacement et tout. C'est quoi c'est N ok. C'était le jour de la Saint-Patrick, c'était hier. Piquer du whisky dans le bureau du docteur, ça a brûlé ma gorge, ça m'a rappelé Dubl. Je suis pas content, Doc il veut jamais que je vous achète avec lui. Juste les nouveaux. Il a même donné une montre en or. Mais c'est tranquille. Oui, je ne sais pas, j'ai toujours pas compris. Oui, mais sauf que dans Cube, c'est inséré au scénario. Là, c'est juste un gimmick de gameplay, genre pour faire fouloulou. Et ça fait pas, parce que tu sais pas où tu es, donc ça fait brouiller tes repères. Mais en vrai, c'est juste plus chiant de se repérer, mais c'est pas impossible, parce que tu reconnais les pièces, vu qu'il y a très peu de pièces en fait. Je le reconnais, là c'est la pièce de l'ascenseur, là c'est la pièce du des cellules, tout ça. Bon, puis en vrai, le chemin est plutôt bien marqué. Mais là, ce qui est insupportable, c'est cette déformation constante, en fait. Si, même en prenant le médicament, t'es jamais bien net. Tu vois jamais bien comme il faut. Donc c'est insupportable. Ça s'appelle Hector, c'est le centre où on est, là, l'espèce de zone de test. On a déterminé que c'était ça, une sorte de zone de test, voilà. On était sur des gens qui avaient l'air plus ou moins volontaires, mais en fait non. Et non, on fait partie des testés, j'ai l'impression. Et on ramasse des notes qui racontent la vie. Des gens qui vivaient là, c'était pipou, tout ça. Je peux ramasser des boîtes de choses, des fois. Eh mais je peux pas l'enlever, hein. Putain, en plus avec les spots, là. Je suis plus habitué. Ça me picote. Et on voit que là, bien sûr. Parce que je peux pas mettre la petite loupiote, mais. Comment on met la loupiote? Voilà, c'est peut-être utile la loupiote. Dans une zone à couloir, c'est un peu plus pratique, parce que ça éclaire dans le lointain. Mais il faut les deux, parce que le briquet t'éclaire dans la zone autour de toi. Ce qui est un petit peu important aussi. C'est pareil là. On va aller voir. Petite zone là. Mode bouée là, j'étais. Là, c'est pas ça. Mais non, mais je reviens là. Putain, mais si, mais je tourne trop en rond, sa maman, en fait. Sa maman est actuellement tournée en rond, là. Portée. Alors, il y a plein de bruits, mais ça veut pas dire qu'il y a quelque chose à faire. Hein. C'est des bruits aléatoires. Ça, c'est pareil, ça me dit rien, cette zone-là. Avec les tuyaux, là. Il y avait un truc suspicieux, faut le dire au bureau. Enfin, à l'office, à l'administration, aux gens qui dirigent, quoi, t'as compris? Là, ça pique vraiment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pique? La qualité, non? Ou c'est toi qui t'endors? Ah. Ah, mais il y a un truc avec un badge, là. Ah. On l'a sorti, là.
Drive personnel. Alors, faut que, ouais, faut que je reconnaisse la scène. Ah, ok, donc déjà, la configuration de la pièce de sortie, il y a un escalier et tout, bon, c'est facile à reconnaître. Tic-tac, tic-tac, tac. Bon, déjà, il y a du progrès depuis avant-hier, c'était un fait. Ou hier, je sais pas, c'était avant-hier. Plus le mode bourré. Ah, bah oui, là. Ah, bah, il y a une autre sortie, là, merde. Ah, bah, l'autre, c'est celle d'où je venais, là. Parce que oui, il n'y a pas vraiment de monstre hein, dans Hector. Enfin, on s'est jamais fait attaquer, je crois. Merde, du coup, il y a deux grosses portes de sortie. Mais non, je sais pas laquelle est la bonne. Enfin, je crois qu'on s'est jamais fait attaquer. Bon, il y a des petits tremblements à l'amnésia, ça on connaît. Ah putain, mais c'est vrai que c'est chiant, c'est désagréable. On va prendre un petit médicament. Vite, mon sport se fond. Ah, c'est que des screamers, hein. Ah, voilà, 360p de Clex 3D, ce qui lui permet de suivre. Ah, mon petit Clex, j'ai une bien mauvaise nouvelle. Là, j'appuie sur R, mais... J'ai pas de quoi reloader. J'arrive plus à streamer le cache, c'est une horreur. Que ce soit sur Mixer tout seul ou quoi, j'arrive à rien à faire. Donc, on est mal barré. Pour l'instant, c'est en stand-by, en attendant que ça... j'ai une mise à jour de la carte graphique ou d'OBS, je sais pas, mais... Ça rame comme si ça n'a jamais ramé. Mais putain, c'est... J'ai fait quoi entre temps, c'est-à-dire? Avec le catch, j'ai rien fait d'autre en fait. J'ai fait plein d'essais, plein de tests, mais j'ai arrêté parce que ça avance pas et je suis un peu découragé, je t'avoue. Tant que ça marche pas, bah je vais pas me casser le cul à créer des trucs. Je sais pas si je vais pouvoir le streamer avec toi, ça n'a guère d'intérêt. C'est pour ça que je crée tout ça. C'était pour le fun. Pour que ce soit la clé. Mais rien. Et ça s'est mis à ramer. Bah, y a eu la mise à jour de la carte graphique. Mais je suis revenu en arrière dans les mises à jour. Tu sais, tu peux désinstaller la dernière que t'as mis et revenir à l'ancienne. Désolé pour le supprimer. Ah oui, je me fais attaquer. Ah merde, il y a un monstre maintenant. Ah bah, c'est la première fois, je suis pas prêt. Ah, il y a un monstre, je savais pas. Mais on a pas eu. Attends, j'ai joué quoi 2 heures? 1 heure et demie l'autre jour? Mais pourquoi je recommence là? Mais je recommence sur une zone aléatoire de la map en plus. C'est la première fois que je suis mort en fait. Et donc oui, pour l'histoire de la mise à jour, bah, j'ai mis l'ancienne version, ça marche pas mieux. OBS, j'ai essayé de... Enfin non, mais ouais, non, je sais pas ce qui s'est passé. À part les mises à jour, je vois pas. Mais mon PC fait des trucs un peu mystérieux. Et putain, mais sur Mixer, ça rame en fait. Mais même sur Twitch, hein. Il est où? Il y a en haut ou en bas? Mais putain, mais depuis quand il y a un monstre? J'ai streamé 1 h 30, il n'y en avait pas hier! Ah merde, bah là je suis fin si je tombe dessus. Ah bah oui, non mais c'est super, déjà qu'on voit rien. Ah putain, l'enfer. Mais pourquoi il y a un monstre là? Ça sort d'où ça? Putain! Oh le gavage! Attends, mais en plus, toutes les nouvelles pièces que je connais pas. Attends, RTT. Les TT. Qui? Les RT, les TT. Et oui. Mais ça devient rouge maintenant. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est le club discothèque? C'est le Macumba? Ou alors, s'il y a un monstre, ça va être Mugabe. Il y a tout qui ondule dans le noir, je comprends que dalle. Mais moi non plus! Censé avoir un médicament, mais j'en ai plus. Ok, j'ai tout. Moi, j'ai mon médicament. Ça, si je prends, ça fait quoi? Putain, mais c'est horrible. Putain, voilà, s'il y a un monstre en plus, ça va être méga chiant. Oh, qu'il est beau, Hector. Oh, mais c'est. Regardez, il a un pantalon genre prisonnier d'Auschwitz et tout. Je crois qu'il est un peu bugué, non? Enfin, il plane, en tout cas. Sangoku, c'est toi? C'est pas monter les escaliers. Ah, tu te TP. Ah, ok, c'est qui se TP, merde. Bah, c'est bien Sangoku, hein, la confirmation. Bon, il a pas fait ça parce qu'il a l'air fatigué là, mais. Ah, putain, salopard. Il a téléporté son frère. Oh, bah oui, bah allez-y, téléportez-vous, bon, enfin. Mais en fait, ça, je crois que ça arrive, tu sais quoi? C'est quand j'ai plus de.
quand je deviens fou là. On a vu que j'ai plus de médicaments. Putain, ça va être trop bien. Oh là là. Attendez, je vais juste revenir au main menu pour voir si je relance ma save. J'étais pas aussi starbé. Putain, mais c'est abusé quoi. Ah mais la nouvelle mode, c'est pas ça la PGW. Eh oh le menu. Ah non mais ouais, ça a sauvegardé de quand j'étais mal barré. Bon, on va arrêter de jouer avec Thor, hein, désolé mais non. Tu sais, je joue avec Cuphead, hein. Parce que c'est un peu le Dark Souls du jeu d'horreur ce truc là. Ah je vais lire une note. Par contre j'arrive à bien lire. Mais c'est des vieilles notes, ça, j'ai déjà eu ça, non? Ah, la page continue. Non, mais c'est déjà que sans le monstre, c'était chiant, si tu veux. Bah, avec le monstre, ça va être impossible. Tout est fermé. Putain, il y a Sangoku zombie qui se téléporte avec ses potes, quoi. Avec Yamcha et ses potes, non, moi je peux pas. Il y a des feuilles qui se tissent tout seuls comme des vinyles. C'est que ça va pas être jouable en fait. Putain, on va les gavages quoi. Le maxi gavage. Bien la porte, comme si de toute façon qu'il soit d'un côté ou de l'autre. Je vais mourir. Attends, il est là Auschwitz. Ah oui, non, il est vraiment là en plus. Mais c'est quoi, c'est des... Oui, mais là, de toute façon, ici, je peux rien faire. Faut pas que j'aille là. Bah, que paid, ouais, j'ai... Ah, bien y jouer, oh, sans plus, mais... C'est juste qu'il est là, je ne le pirate plus. Mais un jour, je me le rachèterai. Je le ferai voir aux enfants, celui-là. Ah non, c'est ouvert. Ah bah non, mais ici c'était ouvert. Ah bah y'a une note là, j'avais pas vu, tiens. J'aime pas l'anglais. I don't like the rose leaf. Il ferait pipi dans son café. Et j'ai viré tout rouge. Oh, c'est quoi? C'est basé quoi là? Mais... Ah d'accord, c'est les collisions merdiques avec la porte ou... Ou ça fait partie du truc aussi? Ah attendez, j'en ai trouvé plein. Il m'en a filé 17 quoi, nom de Dieu. Ah ouais, mais là j'ai zéro. Là c'est Noël mon pote. Je suis dans. Si, pas pour moi le dépensage d'argent. Surtout qu'il y a du. Il y a du projet de mini drone. Et ils sont deux. Faut deux mini drones. Donc ouais. Va falloir faire les comptes. Hein. Mais j'ai pris le médicament là. Ça devrait aller mieux, bordel. Mais j'ai pas. Oh bah non, mais tu sors d'où toi? Il l'a fini en stream, Klaxe 3D. Il a fait son cœur de Tipiak là. Il était là, il fait oui, on va faire un speedrun, n'est-ce pas? Bon, c'est un cœur de Tipiak un peu nazi, un peu facho, mais ça, c'est Klaxe 3D aussi. Quelqu'un qui fait autant d'accent, il peut pas être tout à fait hein, rose. Moi je dis rose. Poumon de sandal. Vessie de corsaire aussi, j'aime bien. Splinter Cell, écoute, je continue un peu Hector, mais si ça gagne, je retourne buter des mecs en automatique parce que. Ah, j'ai une pile. Tu charges ta lampe, il la rallume pas quoi. Si tu fasses manuellement le rallumage. Je sais pas, je voulais essayer d'avancer, mais putain, c'est le genre de jeu encore tout pourri, là. Non, mais là, qu'ils mettent un monstre, c'est abusé. Pourquoi maintenant, là, quand je décide de streamer un peu? Mais non, vas-y, toi, tu fais quoi? Tu fais du mal ou? Non, toi, tu fais pas mal. Toi, t'avertis les autres, je crois. Tu avertis le gros Sun. Impossible, je vois que dalle, mon briquet il s'éteint, tu sais pas pourquoi. Voilà. Mais je me soigne, j'ai déjà tout. Mais oui, mais non, mais là, voilà. C'est verboten.
Live sur Riz. Ah, parce que c'était pas là, je sais plus qui c'est qui était là. Bah si, c'est là. Non, qui c'est qui était là, je sais plus. Il y avait qu'une personne, donc ça va pas durer. Putain, mais regardez les menus qui se superposent parce qu'ils se ferment pas, quoi. Non, mais le truc me donne des machins, c'est complètement aléatoire. De toute façon, là, c'est que je vais plus savoir où aller, quoi, vraiment. J'ai cru une nouvelle zone, mais on s'était débloqué quand même en trouvant le tournevis, machin, mais. J'allais quand même pas non plus regarder. Mais regardez! Je suis déjà dans le PLS, quoi. Et je prends ce bordel de médicaments, faut que j'en prenne quoi, là? Sans Venmé, ça s'appelle Venmé. J'ai l'impression que tout ce que j'ai. Even the guards here are soft as shite. Except for the cowboy. Kane's a mean old bastard. Même les gars sont. Mais oui, mais je peux pas. Je sais pas, voilà, c'est cool. Oh bah putain, c'est l'aggro, il te colle quoi. Putain, mais apprenez à coder vos jeux, bordel. Apprenez à réfléchir. Très bien, on t'a fait chier. Ah, Overwatch, mais Nepsi, c'est quoi t'as Overwatch? Un nouveau héros. Nouveau petit film et tout. C'est bien, c'est la fête. Hey, alors, tu vas me dire ce que t'en penses de ce que j'ai eu, le nouveau héros après le gameplay, je sais pas, mais. Qu'est-ce qu'il a l'air random niveau même artistique, je trouve, elle est pas jolie, quoi, elle est pas. Enfin, quand tu vois son bras était cool, tu vois, à côté. Mais elle, putain, elle a vraiment pas. Elle a pas un look. Enfin, moi, je parle que du look, hein. Vraiment, elle donne pas envie, quoi. Nouvelle map pour la. La bande est dure, bah oui, le. Ah bah! Allez! Le kill gratuit! Mais c'était. Mais je suis décédé. Il n'y a pas marqué Game Over, alors je sais pas trop. Bah c'est bien, t'ouvres une porte, tu tombes, t'es mort, c'est bien! Oui, le gameplay est de qualité, c'est bien. On aime bien ça. Non mais c'est une blague! Il est content, il a fait cette Dark Souls. Le Dark Souls du jour, plutôt cool, faudrait que je regarde. J'ai pas encore regardé les vidéos, juste sa tête là sur les tweets et tout, mais son bras j'ai trouvé cool. Ouais, tu fais pas. On va se cacher. Le cupette du Dark Souls, exactement. C'est un peu de chimère. On dit ça, chimère de perso. Ah oui, tu vois, il a une tête de scie. Ouais, le monstre il a pas popé parce que j'ai pas marché sur le trigger. Mais j'ai marché sur les marges, vous allez voir. Il va popper là. Il va marier popper. C'est une chimère badir. Oh, Klex, il écoute. Klex, il a comment dire, il s'est entraîné par réflexe à faire des jeux de moulin. Dans chimère. Chimère badir. Hop. Ça, c'est bien. Ah bah voilà ce putain de couloir. Voilà. Schnell, biteux. Mais c'est Wolfenstein ou quoi là, ce jeu? Je n'étais pas au courant. Mais je peux rentrer dans rien, de toute façon les portes des cellules, tu peux pas les ouvrir à votre place. Tu chimères, voilà. Putain, bah oui, mais regarde-moi cette démarche de mongol. Bon, et franchement, ça. Il a pop out ou pas le monstre? Ah, super, je suis coincé. Je vais l'enfermer. Je lui ai fait une blague. Ah merde, on va y stepper. Qui m'a fait une blague aussi. C'est lui qui a gagné dans le concours des blagues. Qui? Tu fermes la porte comme ça. Ah bah de toute façon, on est. Méné, lui, c'est les mamans. Hein. Ça, on le sait, il aime bien. Hide your mommy, because Menepsis is coming, tu vois. Hide your mama. He's coming to get it. He wants the mama's ass. Eh oui. Super, donc là j'arrive dans un endroit et je suis bloqué. C'est très satisfaisant ce jeu vidéo aléatoire. Je peux pas avancer, putain c'est génial. Il faut que je revienne, que j'attende que ça pop une autre salle, qu'il y aura une porte ouverte. Putain c'est fantastique en fait. C'est un génie le mec qui crée ce jeu. Et vous allez voir là, hop ça va marcher, vous voyez. Attention, est-ce que ça va être ouvert? Ah, c'est peut-être moi qui n'avais pas bien tiré, c'est bizarre. Je pense pas qu'il. Mais oui, mais je. Mais...
Alors maintenant, cette porte-là, elle est ouverte, mais ça n'a aucun sens. Evry Asgard, bah oui, bah ça, mais la petite, écoute. Tu croques, tu es, mais c'est de tournage, il faut croquer la pomme. Clex, lui, il arrête pas de croquer. T'inquiète pas, il t'a pas tendu. Ça croque. On le sait. Oh, tu es connu dans les rues d'Ajaccio et de Bastia. Oh, c'est trop les rangs. Il va croquer la pomme. Balancer les pommes. Il jette des pommes. Parce que lui, c'est des vraies pommes, par contre, c'est ça. Au début, il balançait des meufs. Il fait non, je veux des pommes. Parce que je veux pas aller voir le docteur, bien sûr, la bonne expression. Hein. Une pomme par jour, ça nique les docteurs. C'est bien connu. Surtout si tu lui lances dans sa gueule et qu'elle est empoisonnée. Avec des piquants. Et il fait ça. Il jette des pommes sur les docteurs. On n'a pas compris. Bon, bah, c'est que c'est pas chiant, mais c'est que c'est chiant. Bon, alors, du Splinter Cell, alors. J'ai un autre petit jeu. Attendez, j'ai un autre petit jeu. À moins que... Attendez, oula, j'ai une salle, là. Oula. Cargo Bay. C'est un Cargo Bay. Attendez, j'ai une nouvelle salle. Putain, le jeu, il sent que je vais abandonner. Il dit, non, attends. Regarde. T'as fait une surprise, t'as fait un labyrinthe de lien en fer. Tu verras jamais ça de ta vie, c'est trop fantastique. Alors tu disais, ouais, je veux bien avoir ça, c'est fantastique, des liens en fer, mon bon ami, c'est pas beau. Je dis, ouais, je viens voir. Bon, le problème, c'est que là, j'ai plus de médicaments, plus de piles, je joue plus rien, ma tube et mon couteau, quoi. C'est une torse, je veux pas en faire trop. Parce que je sens que vous allez pas vouloir regarder. Qu'est-ce que c'est? Terre-toi, l'aide. Ah merde, on va faire fou. Bon, je descends, allez hop. J'ai activé un truc. On dirait SCP, tu vois. Mais qui changerait tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'ai pas vu ça tout à l'heure? On dirait que c'est au petit bonheur la chance, quoi. Takebonique. Québec, bubonique, peut-être. J'ai bien compris ta blague. Mais Kebonique, ça marche pas. C'est... Tu me retravailles seulement. Les mecs, ils se payent des doubles troupes ou des gros, soit des easy comme ça. Mais leur jeu, c'est de la merde. Donc, ça sert pas à grand chose. Oui, je fais bien le accent anglais. Tel qu'imaginé par un français. T'as qu'à les 7, parce que. Ah, qu'à les 7, c'est bien. Parce que je parle canadien comme ça, tu sais pas pourquoi des fois ça me prend. Je comprends un prix, tu penses comme ça, je suis obligé de dire sirop d'érable et tabarnak, tu sais pas pourquoi. Putain, mais on s'en bat les couilles. Flic, flac, floc, qu'est-ce que c'est? What? Hein? Quoi? Qui? Quoi? Quoi? Hein? Qu'est-ce que j'ai... Attendez. J'ai pris quoi? Comment je vois mon inventaire? Cover King. C'est quoi cover? Ah, j'ai pris la plaque de ça. Mais à quoi ça me sert d'avoir une plaque? Pas en tout. Oh, laisse ça coche, dude. J'ai pas compris là. J'ai une petite façade de boîtier électrique. Pourquoi faire? J'en ai absolument fucking zéro idée. Mais en plus, mais oui. Ah bah, non, c'est bon. Bah ouais. Mon gars, il y a des ferrets. Puis le monstre va tout de suite. Mon gars. Et puis tu pourras pas te cacher, t'auras pas d'armes, et puis il sera plus rapide que toi, et puis il va popper n'importe où, puis il se téléportera, il passera à travers les portes, et puis tu pourras pas t'échapper, puis tu seras de la merde, parce que tu seras pas outé, puis il faudra que tu trouves des objets, mais tu sais même pas à quoi ça sert. Tu trouveras des façades de boutons d'interrupteur d'ascenseur, puis tu voudras maudit caler, tu sauras même pour ben, faire ton maudit jeu. Voilà, c'est quand je m'énerve aussi, là, ça me prend, là, ça m'énerve, ben. Ah, rap go. What, mais. Mais. En fait, le truc de ce jeu, il faut décéder, et il dit, bon, il galère, je vais faire spawner près du point d'intérêt. Mais putain, mais... Mais pourquoi? Fallait que je prenne un ascenseur, c'était ça l'objectif? Mais sans déconner, j'ai jamais autant avancé que depuis que je décède, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Un truc que j'ai envie d'essayer aussi, là, ils sont en train de... Il y en a plein qui rejouent. Regardez comment c'est mal fait cet ascenseur. C'est Rimother, vous savez, je l'avais testé avec Jodie Foster qui avait été modélisé en 3D sans son autorisation, bien sûr. Et c'était genre un Resident Evil à l'ancienne, tu sais, mais enfin plutôt un Clock Tower. Oh, bah, j'ai pas réagi, hein, c'est tellement bien fait. Fallait que tu te caches ça et on avait testé, c'était injouable parce que la difficulté était pétée.
Et là, il a ressorti une mise à jour et c'est plus jouable et tout, donc j'aimerais bien essayer. Les petits passages. 456. Ça va être fun. Ça va être fun. Twin Peaks, voilà. Hein? Saint-Maclou. Promotion sur les rideaux. Les voilà, tout en rouge. On voit l'avion rouge. The Red Wedding. Promotion. Je comprends pas ce que tu dis, puis je m'en bats les couilles, mais un truc de fou. Bon, je peux pas prendre une porte au hasard, je pense que ça sert à rien. On verra, si je trouve Rimother, je le ferai. Ah, le rap. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. C'est bien, il faut partager, il faut faire vivre la chaîne aussi. Donc oui, demain, alors soit l'après-midi on va voir, soit en soirée avec Nao, on fera le petit Fantasmagoria avec, comment il s'appelle, Clint, Kurt, je sais plus comment il s'appelle notre héros. Ah oui, bah non, ah oui parce que là, tabarnak, j'ai pas besoin de lumière ici, penses-tu donc, maudit, hein, pantoute, tu dis pas besoin, est-ce qu'on voit tout bien, as-tu vu, as-tu déjà vu, attends, je vais regarder le clip du coup, je peux pas faire pause dans ces, putain c'est génial, je veux regarder le clip de Menestis. Ouais, le retour, va falloir que je regarde un petit peu. Je sais plus du tout où on en est. Il y a eu du sexe qu'on avait censuré et tout ça. Ah mon dieu, une porte ouverte. Bah, j'ai même pas. Bah voilà. Petit café, non. J'avais fait enculer apparemment. Ça, ça me plaît bien. Qu'avons-nous ? Toujours la pièce d'échec. People say the short rooms are too small, but the fact of the matter is that it's the people who are too big. D'accord. People should be smaller. Ah bah j'ai censuré. Il y avait Seb du grenier, ah oui c'est vrai. Je sais plus où on en était, je me souviens plus. J'espère qu'il y aura plus de monde que l'autre fois. C'était un peu... Ouais, ça n'avait pas attiré du monde. Pourtant on avait fait ça en soirée aussi. C'est pour ça que faire après-midi, je suis pas chaud, mais... Ah bah ça saute. Vous avez vu, c'est toujours le même tableau. Vous avez vu, c'est bien pensé parce qu'il y a différents tas de tableaux, mais c'est toujours le même tableau, ça fait peur. J'avoue que les clips c'est fun, ouais. Franchement ça c'est un truc marrant. Mine de rien, c'est très rigolo à faire. Quand c'est toujours des trucs sortis du contexte, tu peux bien te marrer. Go venir, mais oui. Bien ça, go. Go go, gâcher ta vie. Mais non, mais Clex, non mais Clex, on sait que tu peux pas. Toi, tu veux faire des trucs... Clex, il se croit... Je suis fatigué de ce jeu qui croit qu'il est artistique parce qu'il met des bonhommes en tenue de Cosmo, de Darun Taziev, là, de... Fulcanologue. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Oui, ça va être steampunk, tu vois, Jordi. Il est steampunk comme ça, c'est steampunk comme ça. Steampunk. Et puis vous patrouillez, patrouillez, je patrouille, tralala, tralala. Non, patrouille, je m'appelle Darun Taziev, tralala, la 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 la. On s'est cru sur un volcan. Ta 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 ta. On patrouille, on patrouille. Si jamais il fait trop chaud, c'est bon, on a nos manteaux. Paparada, papapapa. Et oui, puis la façon dont ils se tournent sur eux-mêmes. C'est magique. On patrouille, on patrouille. Est-ce que t'as mis ton manteau anti-volcan? Oui, je l'ai mis. Ah bah c'est bon, tu peux patrouiller. Ta-ta-ta-ta-ti-ta-toi. J'ai plus P2. Ouais, je crois que j'ai trouvé la sortie. Allez, ça brille, ça shine. C'est shiny. Non, c'est pas la sortie, c'est de là d'où je viens. Je sais rien. La zone avec les petits tableaux. Ouais, non, là ça ressemble un peu. Mais. Ouais, non, 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 attendez, je vais éternuer. La maîtrise de l'homme qui retient l'éternuement. Pas trop, y'en a pas de la trouille. Papadapapi, papoui. Bon, alors attention. Oui, normalement il faut, mais là j'ai pas de mouchoir sous là. Mais oui, il faut éternuer normalement. Tout à fait.
Et moi, faut que j'éternue par le nez parce que si je le sors trop par la bouche, tu sais, ça me donne le OK. Mais ils me font du mal ou pas? Monsieur Antaziev, j'aime les volcans. Pourriez-vous me faire voir votre lave? Très bien, ils sont partis. Pourriez-vous me oindre? Je cherche à me faire oindre. Ah voilà. Je pense qu'ils me font du mal. Mais putain, ils m'évitent ces cons en fait. En fait, depuis tout à l'heure, je suis là, mais c'est eux, ils sont là. Putain, fais gaffe, il arrive, cache-toi. Vas-y, il va à droite, il va venir. À gauche, attention, il va venir, fais demi-tour. Ah oui, merde. Je claque. Non, j'éternue, pas je me mouche. Quand j'éternue par la bouche, quand tu te pinces le nez, tu te fais ah, tiens. T'as un clec, sois pas dibi. Oh lolo. Donc, ouais, il te neck break, clac. C'est vrai qu'ils sont absolument aveugles et débiles, si tu te jettes pas dans leurs bras, ils vont pas te faire de mal, mais... On n'a pas d'ombre aussi. On vient sur un volcan, mais on n'a pas d'ombre, donc on peut pas te soir, bon, dites pas en tout. Voilà, ça c'est bien, tu vas où toi, tu vas là. On est des petits vulcanologues, flip pip 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 pip, merde. Et on y va en esquive, hop. Je leur position pour en plus pas tout. Mais oui, mais écoute, ils font ce qu'ils peuvent, ils font pas non plus. C'est pas, ils vont pas faire des sorciers, ils sont peut-être pas payés, j'en sais rien. Ah! Alors attendez, je crois qu'on est sur la bonne voie. We are on the good track, Ounette. You are safe. Ah, ça parle, c'est bon. We shall end this dance and bon, tout. Eh, mais je sais pas où est-ce qu'il va aller, on va le laisser passer. J'espère qu'il va pas venir là. Et j'ai dû recommencer à regarder Lost. À cause de Didi, sur je suis obligé. C'est très très intéressant ces vidéos. En fait, je préfère regarder des vidéos de théorie qui rappellent ce qui s'est passé dans les épisodes que les épisodes d'eux-mêmes, parce que putain, il y en a tellement. Mais c'est vachement intéressant le truc sur la roue gelée, j'avais complètement zappé ce que c'était. Enfin, je savais à quoi ça servait, grosso modo, mais qui l'avait installé, tout ça. Ah bah, ah ma merde, tu m'as... Oh, pardon. Bah oui, enfin, c'est-à-dire que ton beau-frère a essayé de me tuer tout à l'heure, tu comprends que je suis pas très... Je suis pas très pressé. Okay. D'accord, je prends la sonde. D'accord, oui, très bien, j'ai un pistolet. J'ai une arme à feu, je peux faire du mal. 4, je vais... Étage 4, s'il vous plaît. Et donc oui, je me rematais les petits Lost, là, et ça marche toujours, les petits Lost. Tu lances le truc, la petite musique, va chercher Jack, pim pam poum, y'a Kate et Sawyer, il faut des bisous. Saison 2, épisode 14, là, j'étais... Ben qui apparaît, quoi. Quand il se fait passer pour l'autre, là. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Trace cet épisode-là, mais... Pff. Quand il découvre à la fin de... Je sais plus qu'il vient, enfin encore deux épisodes, mais... Mais non, ça sert à rien, parce que ce sera forcément 4. Oui. Il n'y a pas de porte ici, donc... Hein? Quoi? Bah de toute façon... Oui? Oui, à droite, d'accord. Alors, gauche, droite, droite. Gauche, droite, droite, gauche. Alors, gauche, droite, droite, gauche, on y va. Bah, c'est que là, ça compte déjà. Alors, je veux bien procéder, mais la porte ne s'ouvre pas en fait. Mais. Ah non, faut que j'appuie là, c'est ça? What? Mais quoi? Mais je peux pas rentrer là, en fait. Mais, putain, mais... Mais je peux ou pas? On dirait que je peux à moitié... Ah, t'as pas regardé Lost, oh, excuse-moi, mais putain, je savais pas. Oh, le spoil. Oh, mais faut le dire, la Lost, là, pour moi, il y a prescription, mais oh là là, je suis trop déso. Mais oui, mais moi, je veux bien faire leur test, pour en plus, j'ai fait... Mais... Alors, gauche, à droite, gauche. Mais je peux pas activer ça. Mais... Bordel, c'est moi qui suis con, ou... Eh oui, gêne, hein. Oh, putain, mais j'ai essayé tout à l'heure, je vous jure que ça marchait pas. Non, non, mais ça a pas marché, putain, parce que ça déconne. Putain, et comment on fait quand on s'est planté? Oui, et alors hein? Mais... Quoi? C'était pas gauche, droite, droite, gauche. Mais c'est que ça marche tellement mal, on avait l'impression qu'on pouvait, hein. C'est éclate. Waouh.
Si. Bon, c'est pour me dresser comme un animal, voyez-vous. Je suis une bite. Est-ce que je suis une bite? Pour les relais. Alors, est-ce que c'est là maintenant? Non, il n'y a pas de... Non. Leur système à l'amnésie, on va dire qu'ils ne maîtrisent pas trop, quoi. C'est ça? C'est Stanley Parable maintenant? Alors, Jean-Michel Parable. Mais du coup, est-ce qu'il faut que je l'écoute ou pas? Je l'écoute. Écoute, il a l'air sympathique, il a une voix douce, zégouléante. Moi, j'aime bien quand ça gouléille, donc. Je suis le patron. Ah merde! Je suis perdu! On va prendre droite. Je sens que ça va au même endroit. C'est moi où il y a des lumières. Ah oui, d'accord, c'est ouais. Bon bah écoutez, on va continuer sur Hector alors. Hein. Droite. C'est dans le truc du Zul. Droite, gauche. Qu'est-ce qu'il y a, téléphone? Pourquoi t'illumines le feu? Bibi. Qu'est-ce que c'est les histoires? Hein? Quelles histoires du jeu, tu veux dire? Dans Usul, clairement, ils font un gag droite-gauche. Faut classer les gens s'ils sont de droite ou de gauche. Tout ça. Alors ça, j'ai compris. Ben non, ça veut dire qu'il faut ouvrir dans l'autre sens. Ah, du jeu. Okay. Je te dis, j'ai résumé tout à l'heure. Fallait être là, déjà. Hein, le modo qui est pas à l'heure, ça, c'est un peu inadmissible. Ben, on est dans un stand qui s'appelle Hector, qui fait des tests. Salut Famine. Salut Hector. Et ils font des tests sur des gens qui étaient plus ou moins. Alors, volontaires ou pas. En tout cas, ils font des. Je sais pas ce qu'ils. Je cague. Bon, je peux rien dire parce que moi je cague pendant les lives, n'est-ce pas? Je prends des pauses et tout. Et où, je sais pas, on a un des sujets de test, on se réveille. Enfin, tu sais, c'est une histoire de jeu d'horreur de merde post-2012 là où on explique rien, il y a des notes, c'est obscur, on s'en bat les couilles. En vrai, il n'y a aucun sens, hein, c'est aucun intérêt. Putain, Méné qui a pas vu Lost, putain, sans déconner, Lost, Méné, merde. Le problème, c'est que voilà. Live on guy. Featuring. Comment ça, featuring? Ah, je fais ça tout seul, moi. Faut pas ça en duo, mec. Oh non, c'est gay. Il y a trop d'épisodes, je sais, mais les, ça me dégoûte tellement, moi aussi. Heureusement que je l'ai fait à l'époque, sinon j'aurais pas le courage. Mais rien que la première saison, de toute façon, tu vas être harpé comme ça. Tu vas tellement plus en pouvoir la première saison. Après, tu vas être déçu, comme tout le monde. Hein. Ah oui, c'est bien. Bah, en fait, on arrivait à progresser quand on a commencé à mourir. Et là, on a bien avancé. Mon ancienne infirmière, ma main, elle était tellement grosse. Je voulais encore que ça soit plus grosse. Elle aimait bien son infirmière grosse. Il faisait manger des tartes et il voyait rouler dans ses plis et ses bourrelets. Se regardant dans le blanc des yeux. Non. Non, mais là, non. Puis de toute façon... Non, non. Tant qu'il se passe des choses avec Appa, je sais pas quoi. Là. Un cerisier, machin. Enfin, Némésis t'en dira plus. Hein. Non, donc non. Fabine, pour répondre à la question, c'est pas bien. Hein? Je sais pas... Allez. Mais là, je suis passé, là, déjà, non? Ah, attendez, ça fait un petit lag de temps de chargement. Une note. Fuse tous les concepts. On va dire la concept. Ah, c'est de l'écriture. Oh, putain. Enfin, ta gueule, non, parce qu'elle continue à parler. C'est les feuilles magiques, elles sont reloues pour ça. Si tu commences à les lire, c'est comme c'est des SCP. C'est plus la merde. Donc ouais, Méné, faut que t'essayes. Au moins la saison 1, tu vois, c'est 20 épisodes, mais ils sont tellement bons. C'est vrai qu'après, c'est... compliqué. Il fallait vraiment être dedans à l'époque.
Toi qui aimes bien les easter eggs, c'est pas possible que t'aies pas vu. Là, c'est la série qui est basée sur les easter eggs. Enfin, ses propres easter eggs à elle-même, mais ses autoréférences. Mais il y a que ça. C'est complètement fou. C'est une série à base d'easter eggs. C'est comme une omelette, une série omelette. Il y a que des eggs, que des easter eggs. Ah, voilà, j'ai rempli. J'ai mis la pièce manquante. Oh non, je sais pas, attendez, je suis bloqué en plus. Ouais, mais il va me tuer. Bah oui, un mongol. Est-ce que je suis protégé en lisant les notes? Ah, je me cache derrière la feuille en papier. Non, tu peux pas me tuer, massacreur à la tronçonneuse ou je sais pas quoi. J'ai une feuille. Le savoir est mon pouvoir. Bon, là, je vais crever dès que je vais arrêter de la lire, bien sûr. Voilà. J'aime bien ça. J'aime bien quand les mecs ils prévoient tout comme ça. Et non, quand même, on est. Attends, sans se brûler, puis son zippo il est pas un peu gros, non? Ah là là, mon pauvre Méné, ça a rien à voir avec de la survie. Alors, la survie, c'est traité à l'américaine. Ils ont tous les dents blanches, il y en a qui restent bien rasés et tout. Voilà. C'est pas une série du tout survivaliste, mais pas du tout, du tout, quoi. Même au début, ouais, non, c'est toujours un prétexte à autre chose. Vraiment, ça n'a rien à voir. Mais c'est à peine s'ils le traitent, ce côté-là. C'est vite expédié. En gros, ils arrivent à survivre et puis ils font d'autres trucs. Mais c'est... Ah, je te jure, mais... C'est... Non, c'est... J'allais dire, c'est pas le cœur de la série, mais ça y est même pas vraiment. Là. C'est... Ça a été un des reproches aussi. C'est que c'est... Oh putain, va te faire enculer avec ton gag de la pièce où c'est un trou, quoi. Chiotte turque géante, quoi, le piège. Non, mais enfin... On parle de Lost. Ouais, mais Ney l'a pas vu, faut qu'il le fasse. Quand je vois qu'il regarde tout plein de séries merdiques, là. Ah, pas merdiques, mais des petites séries. Mais non, mais merde. C'est quoi ce piège idiot? Ah, je regarde, c'est un trou, là, je peux y aller. Ah, oh, t'es super. Ah, mais pas du tout, Méné, mais tellement pas. Tu vas tellement kiffer. Oh, Méné, écoute, le peu que je te connais, ça va de... Alors, le problème, c'est que ça vieillit. Il y a 5, 22 ou 24 épisodes par saison, c'est insupportable. Mais putain, comment c'est dense, quoi, la première saison, tu vas tellement te faire kiffer, te kiffer. Ouais, j'aime bien ça, faire découvrir Lost à quelqu'un. Il n'y a que comme ça que je le rematerais. C'est avec quelqu'un qui ne l'a pas vu. Ouais, on se mettrait dans le salon, ça, hop. Les premières, surtout la première. À partir de la deuxième, il y a les personnages cool, mais ça commence à empiler les trucs et c'est pas résolu et ça part dans tous les sens au bout d'un moment. Et les toutes dernières saisons, c'est quoi, 6, la 5, 6, elles sont vraiment bien. Et il y a plein de théories partout et ça c'est cool. Après. Tu vas regarder Didi Chandouidoui et t'es content. Putain, mais Ménéfice, comment tu peux. La une, ça, elle est parfaite parce que tu sais, ils savaient pas encore s'ils allaient être renouvelés. Donc ils en ont fait une avec un peu un début, un milieu et une fin un peu ouverte, mais une fin quand même. Non, mais Full Metal Alchemist, ça passe après. C'est sympa, mais ça passera après. Même Stranger Things, arrête Stranger Things, c'est pas bien important à côté, je t'assure. Putain, mais Stranger Things, c'est tellement du caca à côté de Lost, en vrai. Alors, j'ai pas vu la saison 2, mais rien que la saison 1, c'est, bon, c'est une série sympatoche, mais pour enfants, quoi. Pour bébés. Lost, c'est pour les hommes. Ceux qui font des théories sur des grandes feuilles en papier pendant qu'ils regardent la série et tout. Mais c'est trop ça. Putain, mais oui, un paperboard, là, un gros tableau Velleda derrière, là. Tu te mets l'OST, puis t'es là. Alors, machin, il a dit que ça. Mais il y avait ça dans tel endroit. Ah merde, mais il y a d'autres pièces de table d'échecs. Oh, mais putain. Oh, bordel. J'ai tenu deux épisodes. Bah, je le regarde. Ça se laisse regarder, mais c'est vrai que c'est pas tel. Ouais, mais le monde 80s, il est très artificiel pour moi. Enfin, toi, moi, j'y étais dans 80s, c'était pas vraiment ça. En tout cas, en France, je comprends que les Américains qui ont vécu ça à l'époque. Pour Friends. J'ai fait ça pour le Cosby Show. Chien petite fille, moi ça je me suis fait spoiler, mais Full Metal Alchemist, j'ai jamais regardé. J'ai du mal avec les animés. Hein. Même s'ils sont top, j'ai vraiment plus de mal qu'à une époque, j'arrive plus quoi. J'ai essayé les nouveaux là, mais. Ah bah tu pleureras pas dans Lost logiquement. Et là je tombe sur la pièce mais... Eh bah ça y est j'ai mis là. C'est bon là. Pourquoi c'est tout ralenti mou là qui se passe?
Pourquoi c'est tout slow motion? Pourquoi je suis slow motionné? Ah bah merde. Non, c'est pas ça, mais j'en ai trop mangé. Eh ben, mais le jeu bug, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe là? Je peux plus lire les notes? Mais... Ouh! Le jeu vidéo! La merde! Il manque encore combien de pièces? Ouais, mais il en manque chier encore quoi? 2-3 pièces? Putain, c'est une blague! Et là, je peux lire ma note? Non, bon bah le menu a planté en fait. Je me penche bien quand même, hein? La vache! Mais des fois le jeu me ralentit. Non, mais il y a un bug, le menu il reste affiché. Attends. Oh, il y a un gros souci là. Bon bah, je peux plus lire les notes, tant pis. Les animés, il y en a pas un que je rematerais comme ça avec plaisir. Même des trucs classiques, j'ai tellement pas envie. Parce que c'est trop, en général, trop lent, trop vieux. Alors que la série, tu vois, là, Lost, j'ai envie de... Parce que les musiques sont cool, parce que les acteurs sont cool. Parce que Jack... Parce que Saïd... Ah, Saïd... Parce que d'autres persos, bon, je te dis les persos, c'est tu les vois dès le premier épisode. Hein. Donc c'est pas du spoil, c'est juste des prénoms, ça va. Quand même. J'avais vu une vidéo, tiens, je vois ce que tu mets, mes fils, sur les différents bugs de Cuphead. Et sur les inspirations que les mecs avaient pris. Et le gars faisait voir. Ah putain, c'est game over. Même quand je cours, il me chope. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, ça rien. Oui, moi, où est-ce qu'il dort? C'est normal? Je sais plus. Bah, mais le jeu, il recommençait pas, toi. Ah non, là, c'est bugué. Ok, allez, le TF4 va crever. Je suis dans l'expectative. Pas forcément envie de faire une spin torselle là ce soir, mais...